notre arrivée à l'aéroport de Venise, nous rejoignons l'embarcadère sous un orage et une pluie battante. À l'abri dans le bateau-taxi, nous traversons les 10 km de lagune qui nous séparent de notre hôtel. L'après-midi, il fait un temps magnifique. Nous nous arrêtons devant le théâtre de la Fenice, qui a brûlé 3 fois et a été reconstruit à l'identique. La Fenice fait référence au phénix de la mythologie grecque qui renaît de ses cendres. C'est un opéra du XVIIIe siècle de style néoclassique avec une décoration rococo. Sur notre chemin, nous rencontrons des petits canaux parcourus par de nombreuses embarcations. 45 canaux débouchent dans le Grand Canal. 446 ponts permettent de franchir ces canaux. Découvrir la place Saint-Marc est un vrai enchantement. Les pigeons sont au rendez-vous. Les touristes sont aussi très très nombreux. La place Saint-Marc est un quadrilatère de 175 mètres de long sur 82 mètres de large. Elle est bordée de bâtiments élégants destinés aux appartements des procureurs, dignitaires chargés de l'administration de la ville qui secondaient le doge. Devant la basilique Saint-Marc se dresse le campanile de 98 mètres de haut. Il faisait office de phare et de clocher. Écroulé, il a été reconstruit en 1912. Il abrite les 5 cloches de Saint-Marc que l'on entend dans toute la ville scander les heures du jour. La construction de la tour de l'horloge date de 1496. L'horloge indique l'heure, les phases de la lune, la position du soleil et des signes du zodiaque et les saisons. Elle était utile aux navigateurs pour prévoir les moments favorables de la navigation. Nous nous dirigeons vers la station de Vaporetto pour aller sur l'île de San Giorgio, située en face du palais des doges. Nous allons visiter l'église de San Giorgio Maggiore. L'église et les édifices religieux occupent entièrement la superficie de l'île. Les frères bénédictins arrivèrent sur l'île dès 982. L'église actuelle fut édifiée à compter de 1565 par l'architecte Palladio. Le matériau décoratif est le marbre blanc et la pierre blanche d'Istrie. La façade de Sorella, 1611, est décorée d'un fronton triangulaire et de 4 colonnes saillantes. L'intérieur est d'une grande simplicité. Le plan est en forme de croix latine. Le chœur est décoré de 2 tableaux du Tintoret, la récolte de la manne et en face la Seine, œuvre de 5,68 m de long. Nous sommes montés au campanile qui fait écho à celui de la piazza et offre une vue unique sur Venise et quelques îles. Nous voyons d'abord le cloître du monastère de San Giorgio. L'île de San Servolo où se trouve l'université internationale. Le campanile et le palais des doges. Le quartier du Castello. L'église San Giorgio dei Greci 1603, dont le campanile penche depuis toujours, domine le quartier du Castello. Le pont della Paglia donne une vue sur le pont des Soupirs. La piazzetta San Marco s'étend du Grand Canal jusqu'à la basilique. À l'entrée du Grand Canal se dresse l'église de la Salute en réparation.
De retour à San Marco, nous pouvons admirer les gondoles, symboles de Venise. Elles peuvent naviguer dans les étroits canaux grâce à leur fond plat et à leur forme asymétrique. Sur le quai se dresse la statue de Ludovico Manin, dernier doge de Venise. Une petite promenade nous amène au pont du Rialto. Édifié en pierre en 1591, il a été le premier pont à enjamber le Grand Canal. L'arche prestigieuse du pont fut dessinée par Da Ponte, qui avait remporté le concours devant Michel-Ange. Jusqu'aux années 1930, il a été le seul ouvrage reliant les deux berges. Le pont mesure 48 mètres de long, 22 mètres de large et 7,50 mètres de haut. Il repose sur deux plateformes, soutenues chacune par 6000 pilotis. Au-dessus, on trouve trois rampes d'escalier pour piétons et deux rangées de boutiques. Nous retournons vers la place Saint-Marc. Au soleil couchant, la basilique et le campanile prennent des couleurs chaudes et dorées. Le lendemain, nous allons visiter le palais des doges, en passant par la Piazzetta San Marco, où se dressent deux colonnes supportant Saint Théodore et le lion ailé. Le palais actuel fut construit au XIVe et XVe siècle. Les architectes devaient construire le plus léger possible. C'est une loggia très aérée, en pierre blanche d'Istrie, qui supporte la masse du palais de marbre rose. Le palais des doges fut à la fois le siège du pouvoir exécutif, le palais de justice et la résidence des doges, jusqu'à la chute de la République, et abritait aussi salles d'armes, tribunaux et prisons. Le doge, gouverneur de la République de Venise, était élu pour une période déterminée et lui-même était contrôlé par ses pairs. L'aile orientale de la cour possède une façade magnifiquement sculptée. Dans la grande cour se trouvent deux puits aux margelles très ouvragées. Cette curieuse boîte à lettres, la Bocca di Leone, gueule de lion, était destinée aux dénonciations. Les lettres devaient être signées et confirmées par deux autres témoins. Venise a été le siège pendant 11 siècles, de 697 à 1797, d'un des plus prestigieux États européens. La Scala d'Oro ou Escalier d'Or de Sansovino conduit aux étages supérieurs où se situent les appartements privés du doge et les salles des conseils. Le plafond de stuc doré raffiné est de Vittoria. Les plafonds des salles du palais sont magnifiquement sculptés et décorés de moulures et de peintures. La plus grande des salles est celle du Grand Conseil. La grandiose toile du paradis de Tintoret domine la pièce. Le superbe escalier des géants de 30 marches est surmonté de deux statues colossales d'Antonio Rizzo, représentant les dieux du commerce et de la mer, Mars et Neptune, symbolisant la puissance commerciale et maritime de la République. Nous allons visiter la basilique Saint-Marc. L'histoire de la basilique Saint-Marc commence en 828 lorsque deux marchands de Venise dérobent à Alexandrie la momie de Saint-Marc. La basilique est alors construite pour abriter le corps de Saint-Marc. La basilique actuelle, d'architecture byzantine, construite au XIe siècle, prend la forme d'une croix grecque avec cinq dômes. L'entrée s'effectue par cinq portails coiffés de mosaïques. Les quatre chevaux de bronze qui ornent la façade
ont été volés à Constantinople lors de la quatrième croisade. L'intérieur est revêtu de 4000 mètres carrés de mosaïques. Elle raconte l'Ancien et le Nouveau Testament. À travers les ruelles et les places, nous allons jusqu'au pont de l'Académie. C'est l'un des trois ponts du Grand Canal. Il fut d'abord une passerelle métallique jetée au-dessus de l'eau en 1848 par les Autrichiens. En 1934, la passerelle fut remplacée par un pont en bois goudronné, plus haut pour laisser passer les vaporetti. Destiné à n'être que temporaire, il fut reconstruit à l'identique en 1984. Du haut du pont, la vue est superbe sur le Grand Canal. Elle permet d'apercevoir le palais Gussoni-Franchetti du XVe siècle et l'église Santa Maria della Salute qui ferme l'extrémité sud du canal. Dans le quartier du Dorso Duro, les quais aux fondamenta tirent leur nom de Zattere, des radeaux de bois qui descendaient par flottage le fleuve Po et s'amarraient ici pour décharger leurs marchandises. Ils longent le canal sur 2 kilomètres. C'est devenu un lieu de promenade très fréquenté et agréable face à l'île de la Giudecca, séparée par un canal de plus de 300 mètres de largeur. Le rio Centrovaso part de la Fondamente des Atterre et conduit à un campo pittoresque où l'on construit, répare, repeint les gondoles dans un skerry encore en activité, selon les mêmes techniques depuis 500 ans. L'église Centrovaso se trouve tout près. Nous rentrons en Vaporetto en passant devant trois beaux palais, le Salviati, le Dario et le Barbaro. Nous traversons la place Saint-Marc pour aller au restaurant. Il faut se frayer un chemin au milieu des pigeons. Les touristes achètent des graines pour les nourrir et cherchent à faire une photo inoubliable avec des pigeons perchés sur leurs bras et leurs têtes. Dans le labyrinthe des ruelles, nous cherchons notre restaurant. C'est difficile de trouver son chemin. Venise est divisée en 5 quartiers, mais la ville s'organise autour d'une place appelée Campo. À l'origine, il était en terre battue et cultivée. Son nom signifie « champ ». Presque toujours situés devant une église désormais dallée, ils sont aujourd'hui des lieux de vie et de rencontres, fort prisés des Vénitiens. Chaque campo possédait une gigantesque citerne servant à recueillir les eaux de pluie. Maintenant, l'eau arrive du continent. Dans la Corte del Miglion se trouve la maison de Marco Polo, le marchand qui a raconté son voyage en Orient dans le très célèbre ouvrage intitulé « Million ». L'après-midi, nous nous arrêtons au palais Alfontego del Tedeschi, où se tenait une exposition dédiée à Maria Callas, 1923-1977. Cette cantatrice soprano américaine d'origine grecque marqua profondément l'opéra au XXe siècle. Nous allons vers le pont du Rialto. Nous faisons un petit arrêt pour admirer la vue.
Il se met à pleuvoir. Et sous la pluie, nous arrivons à la basilique de Santa Maria Gloriosa dei Frari, appelée l'église des Frari. C'est l'une des plus grandes églises de Venise. L'église actuelle date du XVe siècle. Elle est dédiée à l'Assomption de Marie. Elle contient de nombreuses œuvres d'art, la Madonna di Capesaro, beauticien, la Vierge en Majesté de Bellini, le monument à tisser en marbre de Carrare et le tombeau de Canova exécuté par des élèves sur un dessin du maître pour le tombeau de Titien. Au pont du Rialto, nous prenons le Vaporetto pour voir quelques palais du Grand Canal. Le Grand Canal, en forme d'un S inversé, traverse Venise de la place Saint-Marc au terminal routier et ferroviaire, coupant en deux la ville. Le bateau est bondé, le ciel est gris menaçant. Nous allons jusqu'au terminus, après la gare Sainte-Lucie. Au retour, le Vaporetto passe près de la digue qui relie Venise au continent. Elle supporte une route et une voie ferrée. Un gros orage et de fortes pluies nous font apprécier d'être à l'abri dans le bateau. Nous passons près du port des bateaux à fort tonnage. Nous longeons l'île de la Giudecca et le quai des Atterres dans le quartier du Dorso d'Our. De beaux palais s'alignent sur les quais. Les bâtiments de Venise sont construits sur des piliers de bois qui traversent plusieurs couches d'argile et de sable. Les fondations reposent sur ces piliers et les bâtiments de briques et de pierres d'Istrie sont construits au-dessus. Ils sont exposés à la menace de marées, notamment entre l'automne et le début du printemps. La ville est périodiquement inondée. C'est ce que les Vénitiens appellent « aqua alta ». Nous passons devant la douane maritime, l'église de la Salute, vaste église baroque édifiée pour remercier la Vierge d'avoir fait cesser la peste qui décima Venise en 1630. Et nous descendons en San Marco. Le lendemain matin, nous sommes sur les quais. Les deux colonnes de granit ont été ramenées d'Orient au XIIe siècle. Au sommet, Saint Théodore, ancien protecteur de la ville, et le lion ailé de Saint-Marc, pièce de bronze de 3 tonnes, veille sur la ville. Nous nous dirigeons vers le pont des Soupirs. Il reliait les prisons au palais des Doges. Autrefois, les prisons étaient internes au palais des Doges. Elles ont été agrandies de l'autre côté du canal. Le pont était fermé pour empêcher que l'on puisse entendre les cris et lamentations des condamnés, mais aussi pour que l'on ne puisse pas les voir. Elles ont reçu un hôte de marque, Casanova. En compagnie de notre guide Monica, nous embarquons dans un bateau-taxi pour aller vers les îles de la Lagune. Il fait très beau.
Dès le départ, nous passons devant le palais des doges. À travers les canaux, nous nous dirigeons vers la lagune et les îles. Nous passons au large de l'île de San Michele, sur laquelle se trouve le cimetière de Venise. Nous voyons le phare du Murano avant de débarquer sur l'île. L'île de Murano est l'une des plus grandes îles de la lagune. Elle est connue pour son industrie verrière qui remonte au XIe siècle. Elle était très réputée dans toute l'Europe. Au XIIIe siècle, devant les risques d'incendie provoqués par les hauts fourneaux, Venise imposa le cantonnement de cette activité sur l'île de Murano. Dans un atelier, nous assistons à une démonstration du travail du verrier. Le souffleur, très expérimenté, a exécuté en un tour de main un vase et un cheval. Dans le magasin de la verrerie, nous sommes admiratifs devant de très belles réalisations. L'île de Murano est traversée par un grand canal bordé de palais. Nous marchons sur le quai. En face se trouve le musée de la verrerie et l'église Santa Maria e San Donato, qui date du XIIe siècle.
Nous embarquons pour la petite île de pêcheurs et de dentelières de Murano. Au loin, nous apercevons le massif des Dolomites. Venise s'étend sur un ensemble compact de 118 îles, très rapprochées, reliées par 160 canaux, au centre d'une lagune de 50 km de long environ et de 15 km de large. Murano est caractérisée par des maisons aux couleurs vives. Elle est aussi connue depuis très longtemps pour ses fines dentelles. La dentelle de Murano était renommée dans toute l'Europe. Louis XIV faisait venir les manchettes et les cols de ses habits de cette petite île. La spécialité de Murano est la dentelle à l'aiguille. Elle s'effectue sur un coussinet cylindrique sur lequel prend appui le dessin. C'est un travail très minutieux et très long. Aussi, il y a de moins en moins de dentelières. Nous visitons le musée de la dentelle ou Museo del Merletto, qui raconte l'histoire des dentelières et de leurs dentelles fabriquées à la main. Il abritait autrefois une école de dentelières. Baldassare Galuppi di Il Buranello est un célèbre compositeur vénitien contemporain de Casanova. Nous quittons Murano pour aller vers Torcello. Au Xe siècle, Torcello compte 10 000 habitants, pas moins de 10 églises et plusieurs couvents. Important comptoir commercial, Torcello était l'île la plus puissante et la plus riche de la lagune. Elle devint également le siège d'un évêché qui subsistera jusqu'au XIVe siècle. De nos jours, Torcello est très peu construite, elle ne compte plus que 60 habitants. L'édifice le plus remarquable de l'île est la cathédrale de Santa Maria Assunta, fondée en 639. La façade très sobre est précédée d'un narthex dont la galerie rejoint et entoure l'église voisine de Santa Fosca. L'intérieur à trois nefs repose sur des colonnes en marbre grec à chapiteaux. De somptueuses mosaïques réalisées entre le XIIe et le XIVe siècle en couvrent les murs. Elle raconte l'apothéose du Christ et le jugement universel. Cette mosaïque est divisée en six registres. Devant la cathédrale se trouve un fauteuil de marbre, sculpté d'une seule pièce, qui, selon la légende, aurait servi de siège à Attila,
lorsque celui-ci avait traversé l'Italie. Nous sommes allés jusqu'au pont, près du bar Cipriani. Cette famille possède les Harris Bar, si prestigieux, où l'on sert du carpaccio et des cocktails appelés Bellini Titien à base de Prosecco, champagne italien. Dans la lagune, les pêcheurs avec leurs barques sont au travail. Nous croisons l'île monastère de Saint-François du Désert. D'après la légende, le jour où Saint-François est arrivé, il y avait tempête en mer et en approchant de l'île, la tempête se calma soudain et on entendit les oiseaux chanter. L'île de Saint-Érasme est couverte de potagers. On y cultive toutes sortes de légumes et en particulier les asperges et les artichauts. L'île du Lido est une étroite bande de terre de 12 km de long. Elle sépare la lagune de l'Adriatique. Elle est la station balnéaire et le quartier résidentiel de Venise. De retour à San Marco, nous allons vers l'arsenal et le quartier du Castello voir les gros bateaux à quai. L'un d'eux avait un hélicoptère posé sur le pont. Après l'arsenal, nous avons poursuivi jusqu'au jardin public de Venise, qui offre un petit espace vert. Le lendemain, nous prenons le Vaporetto à San Marco pour aller au marché du Rialto. Les palais de Venise reflètent toute la splendeur d'une cité construite au milieu des marécages. Les fondations sont constituées uniquement de troncs d'arbres enfoncés verticalement dans le sol de la lagune. Cette barque, appelée traghetto, est utilisée uniquement pour traverser le Grand Canal. C'est une barque à fond plat, maniée à la rame par deux gondoliers, l'un à la proue, l'autre en poupe. Les passagers y restent debout. Le marché du Rialto existe depuis des siècles. Les Vénitiens y viennent acheter poissons, fruits et légumes, acheminés par bateau et déchargés sur le Grand Canal.
Nous voyons de beaux étalages de fruits et légumes. Dans la pêcherie, marché aux poissons très animé, les éventaires regorgent de toutes sortes de poissons et de fruits de mer. Ils sont approvisionnés par la lagune, qui est une zone des plus poissonneuses en Europe. En poursuivant vers le pont du Rialto, nous arrivons dans une rue bordée des deux côtés de stands vendant divers souvenirs, ainsi que des pâtes et des épices. Pour rejoindre le pont de l'Académie, depuis le pont du Rialto, nous passons devant la caserne des pompiers. Sur le Rio San Barnaba, à côté du pont du Puigny, un commerce de fruits et légumes est installé dans une barque. Nous montons sur le pont de l'Académie avant d'aller visiter le musée installé dans des bâtiments aux salles richement décorées. Sa collection comprend des chefs-d'œuvre tels que ceux de Bellini, Le Titien, Tintoret, Véronèse, Tiepolo, Carpaccio. Nous nous sommes arrêtés devant trois tableaux, Le Gentilhomme dans son cabinet de Lotto, La Tempête de Giorgione et Le Repas chez Lévy de Véronèse. Le Campo Santa Margherita est la plus grande place après la piazza. Il est très animé, avec un marché quotidien et des commerces. Les étudiants aiment s'y retrouver. La Scuola Grande dei Carmini, surnommée le musée Tiepolo, date du XVIIe siècle. Une scuola était le siège d'une confrérie, ici les carmélites. Les plafonds en stuc sont superbes. Les salles sont ornées de 9 toiles de Tiepolo. Nous allons visiter la fabrique artisanale de masques. Nous voyons toutes les étapes de la fabrication des masques, depuis le moulage de la forme en terre glaise jusqu'au stade final de la décoration, en passant par les diverses couches de papier mâché, de feutre et de gaz. Un très long et minutieux travail fait par de véritables artistes. Nous prenons le Vaporetto pour aller jusqu'à la gare de Venise. Le grand canal de 4 km de long est l'artère principale de Venise, autrefois empruntée par les bateaux de marchandises. Sur les deux rives distantes de 70 mètres se dressent quelques 100 magnifiques palais datant de l'époque prospère de Venise. Certains ont près de 700 ans. Chaque édifice, chaque palais qui borde le grand canal a un nom et une histoire connus de tous les Vénitiens.
La majorité de ces palaces sont transformés en hôtels ou musées. Le Salviati était le siège de la verrerie du même nom. Le palais Dario serait maudit, car depuis 1487, meurtres, faillites ou suicides se sont succédés. Le palais Gussoni-Cavalli-Franchetti est aujourd'hui l'institut bancaire médio-vénézien. Le palais Loredan a appartenu au doge Francesco Loredan jusqu'en 1762. La Caresonico abrite le musée des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Le palais Gustinian date de 1452. Richard Wagner y composa Tristan et Isotte. Dans le palais Balbi, François Mitterrand a passé son avant-dernier Noël. Les familles les plus fortunées se devaient d'avoir un palais sur le Grand Canal pour pratiquer le commerce. Les façades différentes intègrent tous les styles et toutes les influences sur une période de 500 ans. Le palais Pisani-Moretta appartient toujours à la famille Pisani, qui fut l'une des plus riches de Venise. L'agencement intérieur de tous les palais est conçu sur le même modèle. Le rez-de-chaussée n'est qu'un hall d'entrée. Au-dessus se trouvent de petits bureaux ou des salons. Le premier étage est le véritable lieu de vie de la demeure. L'ensemble des pièces est organisé autour d'un hall richement décoré. Cette succession de palais mène au pont du Rialto. Nous voyons que la navigation est intense sur le Grand Canal. Vaporetto, gondoles, taxis, police, pompiers, tous y circulent. Les Fabrice Vecchie et Nuove étaient le siège des administrations du commerce et de la navigation au XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est un tribunal. La plupart des palais ont été construits en briques, matériaux légers pour le transport et la construction sur pilotis. Certaines demeures dédiées au commerce ont perdu la dénomination de palais pour celle de casa ou ca en abrégé et maison en français. Nous arrivons au musée d'histoire naturelle installé dans le palais Fontego de Turchi, érigé au XIIIe siècle. Il fut le siège commercial des marchands turcs qui importaient à Venise cire, huile, laine et tabac. Le palais Labia, avec son campanile, date du XVIIe siècle.
Nous arrivons au pont des Scalzi, troisième pont sur le Grand Canal, près de la gare Sainte-Lucie, où nous nous arrêtons. Des Scalzi signifie des déchaussés, nom donné par l'ordre des Carmes, qui allaient pieds nus dans des sandales très ouvertes. L'église Santa Maria degli Scalzi possède une façade en marbre de Carrare. Elle a été construite par l'ordre des Carmes déchaussés. Le dernier doge y est enterré. Depuis la gare, nous allons flâner dans le quartier du Canal Reggio. Nous cheminons dans les ruelles étroites, passant sur les ponts, et nous arrivons au quai du canal du Canal Reggio. Au bout du quai du Canal Reggio se trouve un pont original à trois arches. La vue s'étend sur la digue, reliant Venise au continent par la route ou le train. Le palais Labia, décoré par Tiepolo, est maintenant le siège de la chaîne de télévision Rai. Nous faisons un petit arrêt au Campo de Santa Maddalena, puis au Campo Santa Fosca, avec la statue de Paolo Sarti, auteur du XVIIe siècle. Nous traversons le Rio di Noale, qui débouche dans le Grand Canal, et nous revenons à San Marco. Un bateau-taxi nous attend. Sous un beau soleil, nous rejoignons l'aéroport. En empruntant le chenal balisé par d'énormes pieux de bois, enfoncés dans la lagune. Et la vitesse est limitée.